Bon, bonsoir à tous, ou bonjour, ça dépend à quelle heure vous voyez cette vidéo. Alors aujourd'hui, une petite vidéo détente, on va dire. Et je ne suis pas tout seul pour faire cette vidéo. Je suis avec quelqu'un que je remercie d'être venu. Il va se présenter lui-même. Parce que je ne sais pas s'il va utiliser un pseudo ou il peut s'appeler par son prénom, Mathieu, je ne sais pas. Bonjour, alors moi c'est Albel, juste un petit internaute comme un autre. Cherchez pas sur le net, vous trouverez rien sur moi, je suis complètement anonyme. Mais on se connaît depuis quelques années avec Titreza et je le remercie de m'avoir invité aujourd'hui pour cette vidéo détente, justement. Alors, on espère ne pas avoir de problème technique. Voilà, on capture, c'est de la PlayStation, un jeu PlayStation qu'on a mis dans la PlayStation 3. Un jeu qui lui était inconnu, moi je connaissais de réputation. Je connaissais pas du tout. Bon, vous allez voir s'afficher de façon. Qu'est-ce que ça va être? Donc, c'est plutôt fun, hein. Ouais, c'est moche. Non, c'est de l'époque, c'est pas moche. Oui, on est bien sur PlayStation 1. Ah, moi, ça m'étonnait quand j'ai vu ce que c'était le jeu, qu'il soit sorti en France. Mais il est bien sorti en France et pourtant, c'est purement japonais, de l'humour japonais. C'est des mini-jeux en fait, des mini-jeux. Et on va jouer chacun notre tour. Alors, les personnages, j'ai vu dans la notice, il y a sa famille aussi dans le jeu. Sa femme, sa J'ai vu un fille, petit peu son où est la fils. fille. Son fils là. Il y a même la grand-mère. Oui, voilà, oui, qui vit avec eux dans la maison. On dirait un slime dans Dragon Quest. Lequel Le petit bonhomme qui est. Le petit truc en ferraille qu'on a vu un peu avant là. Cette tête là. Un volcan? Oh non. Welcome to Incredible Crisis. New game, new carte d'option. Mini game ou new game? Mais c'est une new game? Ouais. Bon alors, Albert, tu fais toi aussi des vidéos? Ça m'arrive, je fais pas des vidéos test ni rien, c'est plus du sous-titrage, on va dire. D'accord, t'as sous-titré des dessins animés, c'était Gundam, des séries, donc t'as commencé, Oui. mais ça s'est pas continué. Ça s'est pas continué parce qu'à l'époque je savais pas faire de sous-titres, c'était juste de la traduction que je faisais. D'accord. Et j'envoyais ça et en fait ça a pas continué parce que l'un a lâché, j'ai pas voulu continuer non plus, c'était vraiment. C'était à Un peu deux. le bordel, Alors quoi. maintenant tu fais tout seul. Ouais. Et tu mets ça sur YouTube, c'est du tell-off. Voilà, c'est le Tale of the Abyss qui est sorti sur 3DS et qui malheureusement est entièrement en anglais, ce qui pose beaucoup de problèmes à beaucoup de joueurs. Et donc, je me suis dit dans l'idée, vu que je le connaissais très bien ce jeu, de donner un petit coup de pouce aux gamers non anglophones. Donc tu captures la PS2. Voilà. Alors que c'est pareil que sur la 3DS, c'est exactement le même C'est jeu. exactement le même Et jeu. tu rajoutes des sous-titres en français. En français, ouais. Et seulement sur les cinématiques et des cutscenes. D'accord. Qu'est-ce Hey, c'est que en c'est? français. Ah bah, Ah, ouais. bonne surprise. Étonnant, ça. Bon, là, apparemment, tout va bien pour le personnage là ou la famille. Mais j'ai cru comprendre que ça n'allait pas continuer. Il va avoir plein de soucis. Ah oui, apparemment, même le chien est un perso jouable. On n'a pas réglé la difficulté là. On n'est Non. pas passé par les options. D'accord. Goodbye, je sais pas quoi. Alors, est-ce qu'il se fait virer dès le départ? C'est ça en gros le. J'ai pas trop vu non plus là. Si je crois qu'il y a un truc avec son boulot.
Ils nous remettent l'intro ou quoi alors? Non, je pense pas, non. Ils vont sur le toit, non, les Japonais? C'est pas ça? Ah, c'est notre danse, je te passe la manette. Oula. Albel, joue beaucoup à, au Death Dance, etc. Ouais, ah, beaucoup de jeux de rythme, ouais. Ah, ouais. Alors, appuyez sur le bouton d'actionner, comme indiqué, si vous connaissez une clignotante. Bon, voilà. En plus, il a la manette PS3, donc il connaît très bien. Là, y a pas de... Ah oui, oui. Vous me filez une manette 360, je suis complètement perdu. Et pourtant, je ne suis pas un ProRes. Tu veux pas faire de pause, donc comme dans Bust the Groove, il n'y a pas de pause. D'accord. Push. Quoi? C'est la flèche d'en haut. Flèche d'en haut, c'est ça? Alors, est-ce qu'il y a problème de comment ça s'appelle? Quand j'essayais de faire les vidéos sur Bust the Groove, là, il y avait un décalage. Tu crois qu'il y a ça aussi là? Je sais pas. Tu vois? Peut-être qu'il y a un décalage que j'appuie au bon moment, mais... C'est juste les flèches, hein? Ouais, ouais. Les flèches, la croix. Faut appuyer au moment où la flèche ou la croix arrive... Je fais un peu avant. D'accord. C'est bien. J'avais essayé de capturer Space Channel 5 sur PS2 avec le boîtier d'acquisition comme tu le fais en ce moment. Et c'est vrai qu'il y avait un décalage. Je pouvais pas jouer au jeu tout en capturant, quoi. Le décalage était horrible. J'ai dû lâcher assez vite, quoi. Mais là, on peut jouer encore, mais Bust the Groove, on peut pas. Non. Et encore moins jouer et commenter en même temps. Encore moins. Ah, je suis pas sûr qu'il y ait un net. Sinon, là, j'aurais raté. Ça m'étonne pas qu'il danse au boulot. Merci de me foutre la honte dès le départ. Hein. Je passe pour toi maintenant. Non, il y a un décalage ou alors il c'est pas très précis. Appuie, appuie. De toute façon, ça sera que du rythme hein, ou du matraquage de boutons dans le gameplay. Et on va voir arriver Michael Jackson. Dans quel Space Channel, c'est ça? C'est dans quel il apparaît? Dans les deux. Il n'y en a que deux, Space Channel. Voilà. Space Channel 5 et Space Channel 5 Part 2. Où on peut diriger Michael Jackson à certains moments du jeu. Tiens, je te repasse, je sais pas s'il va redanser encore. D'accord, il y a que toi qui n'as pas vu déjà. D'accord. C'est mal parti. Ouais. Je crois que là tu vas tomber de l'immeuble. Ah non, tu t'es poursuivre par la boule. Par la boule, ouais. Ce sera Hugo Delia. En gros, je pense, hein, ça sera. Herbite le téléphone. Éviter la boule. Ouais, t'évites la boule quand elle devient rouge. Quand vous courez, servez-vous des boutons directionnels haut et bas pour éviter les obstacles. Si tu fais pause, tu es éliminé, d'accord? D'accord. Ah, tu peux boire des boissons. Ouais, t'en as vu beaucoup. Ah, mais c'est tout. Ah, d'accord. Mais matraque le bouton, faut matraquer, hein. Eh ouais, mais il n'y a plus de... C'est très court, la distance à pas courir. Zut. T'as les flèches en bas. Oh, et bas. Oh, voilà, bien. T'as... Tu t'y prends un obstacle, mais ça t'a pas fait perdre. C'est... Ok. C'était très rapide.
Qu'est-ce qui peut t'arriver maintenant? Ah, mais c'est des ascenseurs extérieurs là. T'as directement le vide derrière toi. C'est ça? Ah oui, oui. Non. Ah non, t'as une petite vitre. Ouais, t'as une petite vitre. Des cloisons vitrées. Freiner avec le bouton X aurait été un que le compagnon est atteint 0. Bon, donc ça, pour éviter les objets. Si c'est trop facile, je te parlerai en même temps, tu devrais répondre aux questions. Ok. Ouais. Matraque. Mais c'est ce que je fais, mais là il est en pleine pause. Il faut que t'arrives. Faut que t'arrives pas très vite, c'est ça? Hey, tu peux éviter ou pas? Ouais, je peux éviter. Ah. Plus vite du con. C'est bon. Hein? Il a pas voulu là, ouais. Il a pas voulu continuer. Ah. Hein? Ah, ça tu pouvais pas le voir venir ça. D'accord, on appuie, on fait gauche ou droite pour esquiver. Bah que gauche, hein, parce que t'es contre la vitre déjà. Ouais. Ah, mais même droite, tu vois. Ah oui. Ouais, c'est l'angle d'autre en fait. Il n'y a pas de. Ah, voilà. Oui, il n'y a pas de. Là, ta barre bleue elle monte, mais. Je sais pas ce qui se passe au maximum. Ah bah là, pareil. C'est bloqué, il continue. Oui, non, non, t'arrives à la barre bleue, ça s'est arrêté et tu t'y prends un objet. Mais c'était validé, c'était bon, je pense. Tiens, un peu à toi. Ah, c'est là où je tombe, je pense. Ah, voilà. D'accord.